avec ses longs cheveux, avait l'air d'un ange. Bédélia avait de grands yeux bleus, aux lueurs étrangères. Maîtresse de maison parfaite, adorée par tous ses amis, elle n'oubliait jamais la fête de monsieur son mari. Et les hommes qui lui faisaient la cour pendant une danse savaient bien qu'elle n'avait qu'un amour dans son existence. Son mari est mort par un soir d'hiver. Un peu de poison restait dans son verre. Les journaux ont dit qu'il s'est suicidé, mais quelqu'un sait bien ce qui s'est passé. Car Bédélia avait dans ses grands yeux des lueurs étranges. Bédélia avec ses longs cheveux avait l'air d'un ange. Elle ne versa pas trop de larmes. On la trouva vraiment très bien. Elle avait gardé tout son charme malgré ce grand chagrin. Bédélia partit le jour suivant avec ses bagages. Dans le train l'attendait son amant pour un long, très long voyage.